you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sors du boulot, je vous ai déjà filmé une petite vidéo pour l'anticerne de Sephora que j'adore, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et là en fait aujourd'hui je vous propose donc mon tuto make-up du jour. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. J'espère qu'il vous plaira. Sachez que là je n'ai fait aucune retouche parce que je rentre du travail. Et, je suis partie à 8h de la maison, donc je me suis éclipsée, j'avais pas le temps, donc j'ai pas eu le temps de filmer mon intro et ma conclusion on va dire. Mais vu que j'ai le temps et qu'en plus il est 5h30 passées, du coup ça vous donne l'occasion de voir entre 8h et 5h30 en gros ce que ça donne. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Pour les références, donc en fait j'ai voulu tabler sur Kiko aujourd'hui parce que voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé les produits à part le mascara. Donc j'ai utilisé le Volume Eye Plus, donc le mascara qui se présente comme ceci avec la brosse conique. Ensuite en base, j'ai utilisé le Color Up le 8 de la collection Glam, je sais plus quoi, vous savez, avec les cartes de jeu là. Ensuite j'ai utilisé le Double Dare en teinte, décidément j'ai du mal à parler, je reviens du travail, hein, on va pas, hein, vous m'en voudrez pas. En teinte 02, ils sont encore disponibles, c'est une des dernières collections, je crois que c'est la American Idol, voilà. Ensuite, j'ai utilisé les Wet n Dry, donc ceux-ci, si vous les voulez, il faut que vous vous précipitiez parce qu'ils sont en train de sortir de gamme. Donc, il y a des promos dessus. J'ai utilisé la 202 pour faire le creux de paupières et la 206 pour faire le ras de cils inférieur ainsi que le coin externe. Donc, voilà, j'espère que... Ah, j'ai oublié. En rouge à lèvres, j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est le Unlimited Stylo à teinte 12, donc c'est un bourgogne comme vous pouvez le voir, et là j'ai pas fait de retouche, j'ai mangé à midi puisque je mange à la cantine, hein. Enfin j'amène ma gamelle quoi, donc il y a juste l'intérieur où il y aurait pu, voilà, les rebords de ma bouche, non, les contours de ma bouche n'étaient pas hyper nets si vous voulez, mais j'ai bu du thé, j'ai bu de l'eau, j'ai mangé, donc ça depuis 8h du matin. Donc ça laisse présager quand même que ce produit est hyper, pour 6,90€ je crois, hyper abordable, hyper longue tenue. Je suis ravie moi de ces stylos là, et donc il y en a qui les aiment pas du tout, il y en a d'entre vous d'ailleurs qui ne les supportent pas, donc bon je ne comprends pas. Oui ça fait peut-être un effet sec en fin de journée, mais et ça je l'avais déjà dit. Mais bon, moi je l'ai beaucoup aimé. Donc, je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao! Sometimes it burns. Sometimes it hurts. When you say my name. But thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No, I don't wanna see if it isn't me who's on your mind. Cause I don't know what you're looking for. Away from home, I picked up my phone. I stared at your face, but it's not your tone. Mm-mm. Say no hello, who are you to call me late in the night?
that is here with me and not where he might be. Are you listening?